Et on va prendre la direction de Suresnes, du Mont Valérien, où Donald Trump, on sait, va visiter le cimetière américain, alors que les autres chefs d'État, eux, prennent la direction de la Grande Halle de la Villette pour assister au premier forum sur la paix. En attendant que le président des États-Unis, qui devrait prononcer quelques mots, on peut en dire quelque chose, Daïk, on peut... Déjà situé, quel est ce lieu, hein, le cimetière américain, qui est donc sur la pente du Mont Valérien, c'est à Suresnes, c'est à l'ouest de Paris, il fait 3 hectares, il est le seul associé des combattants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 1541 tombes de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a 24 tombes de soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale, de soldats américains, et il a été inauguré en mai 1919 par Woodrow Wilson, qui était le président des États-Unis à l'époque, donc un des prédécesseurs lointains de Donald Trump, mais qui n'avait pas du tout la même philosophie que Donald Trump, puisque lui, Woodrow Wilson, François, c'était un multilatéraliste, un internationaliste qui a rompu l'isolement des États-Unis avec le monde. Donald Trump, on le sait, son slogan, c'est « America first ». Et ce matin, d'ailleurs, ce qui s'est passé au pied de l'Arc de Triomphe, au moment du discours de Donald Trump, c'était du discours d'Emmanuel Macron, pardon, c'était quelque chose de très fort, hein, puisque Emmanuel Macron a dit devant le président américain et devant les autres chefs d'État qui étaient là, il a dit « le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme, le nationalisme en est sa trahison ». Moi, ça m'a fait penser à la citation de Romain Gary qui a dit « Le patriotisme, c'est l'amour des siens », on la connaît cette citation, « et le nationalisme, c'est la haine des autres ». Et c'était un moment très fort, on a vu d'ailleurs Donald Trump qui accusait un peu le coup, on voyait que sur le plan son visage, il n'était pas heureux de ce qu'il était en train d'entendre, il écoutait la traduction, il avait une traduction, une oreillette, hein, il entendait ça, et je crois que c'était un moment très fort, et ce discours d'Emmanuel Macron ce matin sur le multilatéralisme, et qui intervient donc 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Et là maintenant, alors évidemment c'est un contexte tout à fait différent, mais ce qu'on va entendre de Donald Trump va être aussi intéressant. C'est d'ailleurs la seule fois aujourd'hui où le président américain va prendre la parole publiquement après le raté entre guillemets d'hier, puisqu'il ne s'est pas rendu dans le cimetière où il devait aller pour des raisons alors soi-disant de météo, et ça a été très très mal perçu en particulier aux États-Unis. Oui, visiblement, est-ce qu'on peut en dire un mot? Parce que visiblement, aux États-Unis, chez les vétérans, ça a été très mal perçu, ce fait que le président des États-Unis n'honore pas cette visite sur le cimetière américain. Et c'est très étonnant, honnêtement, qu'il ait fait ça, parce que, bon, on connaît les conditions météo, elles étaient difficiles, certes, mais enfin pas au point d'annuler. Et là, je crois qu'aujourd'hui, il va devoir montrer qu'il est là vraiment aussi pour les commémorations. Et vous parliez évidemment de ces morts qui se trouve dans ce cimetière, et ce qu'il va dire à l'instant va être très, très écouté, particulièrement évidemment aux États-Unis. Donc il y a quand même une double utilité, si je puis dire, à cette visite sur ce cimetière à Suresnes, à la fois effectivement rendre hommage aux soldats, c'est très important, on vient de le voir, et aussi c'est un très bon prétexte pour ne pas assister à ce forum sur la paix où il aura sûrement les oreilles qui sifflent. Oui, alors sur le forum sur la paix, vous savez qu'en fait au début il avait même été question que Donald Trump ne soit pas là du tout, de tout le week-end, qui ne viennent pas. Et puis, finalement, il a décidé de venir. Mais évidemment, on le disait, avec son slogan qui est « America first », c'était quand même compliqué pour lui, hein, d'assister et de participer à ce forum sur la paix. Et donc, il a décidé, de couper un petit peu la poire en deux, d'assister aux trois quarts du week-end, et puis ensuite de partir après ce qui va se passer ici au Mont-Valérien. En sachant qu'il y aura des Américains qui participeront à ce forum pour la paix, des privés, hein, des entreprises privées ou des fondations privées ou des gens à titre individuel privés qui même certaines fondations ont financé donc l'Amérique. En plus, il y avait ce côté de débat interne à l'Amérique entre Trump et ceux qui, au sein des États-Unis, combattent la politique de Trump. Il y avait encore ça qui s'ajoutait au fait qu'il devait affronter aussi le regard et des opinions différentes de la part de gouvernants qui sont présents à ce forum. Oui, alors je vous rappelle que vous voyez à l'antenne les images de Suresnes, du Mont Valérien. On attend le président des États-Unis, Donald Trump. On sait un discours. Et on accueille en plateau Gérard Vespierre, hein, expert des relations internationales. Bonjour. Bonjour pour cette spéciale sur le forum sur la paix. On attend donc le discours de Donald Trump. Et on disait un discours qui sera consacré à l'hommage aux soldats américains. François ?
Oui, absolument. Encore une fois, c'est un moment important, en raison, doublement important en raison du raté d'hier. Et peut-être que Gérard Espierre peut nous dire un petit mot, peut-être sur ce symbole, justement, là au Mont Valérien, du président. Pour les États-Unis. En quoi c'est important ? Nous savons déjà depuis quelque temps qu'il y a un Janus américain, il y a un Donald G. Trump qui parle à son public domestique intérieur américain de façon agressive et de façon apostrophe. Et puis il y a l'autre visage du président des États-Unis. Donc on l'a vu effectivement avec Kim Jong-un, où il était capable de lui dire « Little Rocket Man » et puis quelques mois après d'aller lui serrer la main et de préparer des accords. Donc il y a eu effectivement cette apostrophe vis-à-vis un des visages, le visage de Donald G. Trump. Et puis en ce qui concerne maintenant ce passage au cimetière, la commémoration de l'histoire américaine, donc de la trajectoire des États-Unis dans l'histoire du monde. Guerre de 14, il y avait deux puissances, la puissance anglaise et la puissance française. 1918, la puissance américaine intervient. Et 20 ans plus tard, la puissance américaine est numéro un. Donc voilà, il y a tout ce chemin qui se fait de leur implication dans la vie mondiale dont on voit la trajectoire depuis un siècle. On a dit que justement hier, il devait se rendre sur un cimetière américain. Il a annulé cette visite au prétexte des conditions météo. Ça a été très mal perçu aux États-Unis parce que ces questions-là sont particulièrement importantes sur la politique intérieure américaine. Ah, mais bien sûr, l'image de l'armée, je ne sais pas si vous avez suivi particulièrement les élections législatives des États-Unis il y a une semaine. Les mid-termes. Mais il y avait une candidate dans le Kentucky, si ma mémoire est bonne, qui était une ancienne pilote, une femme de 40 ans, ancienne pilote de F-18, et qui a dit moi, je suis prête à me battre pour la présidence des États-Unis parce que Donald Trump n'a pas été un Marines. Donc voyez-vous, c'est effectivement des termes et des visions, des pulsions qui sont très fortes. Des sensations qui sont très fortes vis-à-vis du public américain. Et donc, ça est une façon de réparer un petit peu cet écart, bon, qui est dû à des raisons techniques ou pas. On ne le saura peut-être jamais. Ce qui est marquant, vous disiez que Donald Trump s'adresse à ses électeurs, mais même à Paris, il continue à le faire. Les tweets qu'il a fait depuis qu'il est présent hier, ça concerne la Californie. Il a d'ailleurs eu des tweets vengeurs qui ont fait beaucoup réagir aux États-Unis. Donc là, il faut quand même voir. Il est au centenaire de la Grande Guerre, dans laquelle les États-Unis ont eu un rôle important avec le nombre de morts qu'on vient d'évoquer. Il va tweeter, faire de la politique intérieure et tweeter sur son pays en parlant de la Californie. Après, c'est compliqué pour un président qui est à l'étranger. Si par exemple il y avait des incendies très importants en France et qu'Emmanuel Macron était à l'étranger, il tweeterait quand même un mot de soutien. Mais pas que. Alors que là, il n'y a que ça. Voilà. Mais bon, on ne peut pas totalement reprocher quand même à Donald Trump d'avoir une pensée pour ses concitoyens qui sont dans la difficulté en Californie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse en fait toujours, c'est vraiment sa cible. Sa cible numéro un sont ses concitoyens et puis ses électeurs, même si les mid-termes viennent d'avoir lieu, il est en permanente campagne électorale. Et il prépare à 2020, bien sûr. Donc nous sommes maintenant à l'ère des présidents connectés, donc il faut vivre avec cette double réalité de la politique moyen et long terme et puis de la politique du jour. On est dans l'infratemps, il se passe toujours quelque chose. L'alerte info, vous le connaissez bien ici, breaking news, n'est-ce pas? Bon, voilà, donc on est dans l'infratemps et puis aussi il y a le domaine politique du moyen terme, du long terme, du temps long. Et nous avons à réagir aujourd'hui, heureusement, peut-être un peu plus vis-à-vis du temps long, mais on est toujours impliqué par le temps court ou infratemps. Mais justement, est-ce qu'on peut dire un mot de cette politique du tweet de Donald Trump qui a des bons et des mauvais côtés aussi parfois, justement des réactions comme ça, très, très rapides, très réactives à la politique intérieure, extérieure? On l'a vu là avec critique sur le projet d'Emmanuel Macron d'une armée européenne. On écoute peut-être l'interview qu'a donné Emmanuel Macron sur CNN où il critique à mots à couvert cette politique du tweet. On écoute Emmanuel Macron. Justement.
What? I don't know. I'm not the one to comment his tweet. I always prefer having direct discussion or answering questions than making my diplomacy through tweets. But I think we had a very clear discussion. He is in favor of a better burden sharing within NATO. I agree with that. And I think that in order to have a better burden sharing, all of us do need more Europe. And I think the big mistake would, to be very direct with you, what I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans and other arms or materials coming from your industry. I think if we increase our budget, is to have to build our autonomy. Parce qu'on rappelle le contexte, quand Donald Trump est arrivé en France, il était encore dans l'avion qui tweetait justement en critiquant Emmanuel Macron et son souhait d'avoir une armée européenne. La rencontre bilatérale s'annonçait plutôt mal au départ, François. Oui, alors c'est vrai que c'est une politique explosive en fait. Il arrive, il jette une mine, il découpille une grenade. Il fait ça très souvent. Alors ça peut être extrêmement compliqué. Dans le cas présent, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé parce que la rencontre entre les deux hommes a été officiellement constructive. Alors on dit toujours ça, on ne va pas dire que ça s'est mal passé. Mais on peut penser que ça a été le cas quand on connaît un peu la relation interpersonnelle qu'ils ont développée. Et puis la réponse d'Emmanuel Macron sur CNN est quand même une réponse assez fine parce qu'il va parler à CNN qui est, on le sait, puisque c'est le président Trump lui-même qui a dit qu'en gros c'est la chaîne ennemie, c'est son ennemi. Donc il répond en disant je n'utilise pas moi-même le tweet, et effectivement il ne l'a pas fait, mais il va aller quand même parler sur CNN. Et puis au-delà de ça, Emmanuel Macron sur CNN, il a développé son idée, c'est-à-dire que, et ça c'est peut-être plus important que le tweet qui est un peu un épiphénomène, il a dit qu'il était important pour l'Europe d'acheter du matériel militaire, mais pas du matériel militaire américain. Et ça évidemment, là ils sont en opposition frontale avec Donald Trump, parce que Donald Trump, évidemment, c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite que l'Europe achète du matériel américain. On le voit par exemple avec la Belgique qui a décidé d'acheter des F-35 plutôt que des avions français. C'est un gros sujet. Parce que encore faut-il que nous ayons toute la panoplie militaire. Or, loin s'en faut. Je voudrais revenir sur ce sujet-là. Mais il faut aussi préciser que le tweet de notre président n'était pas seulement sur l'armée européenne, elle était sur l'armée européenne pour combattre la Russie, la Chine, voire même les États-Unis. C'est ça qui a fait le détonateur. C'est pas le principe de l'armée européenne, bon, qui peut être un renforcement de l'OTAN à l'intérieur de l'OTAN, comme vient de l'expliquer actuellement le président Emmanuel Macron a rétro-pédalé. Voilà, absolument, absolument. Parce que je pense que c'est un homme d'émotion, c'est un homme de vision, donc voilà, c'est ce qu'il veut. Mais peut-être que le verbe était un peu plus rapide que la réalité politique, militaire et des choses. Quand il se concerne le F-35 et la Belgique, je voudrais dire ceci. Le Rafale, le premier vol du Rafale, 1991. La Belgique veut se doter d'avions modernes destinés à voler pour la première fois dans l'armée de l'air belge en 2024. Peut-on demander à des alliés d'acheter des matériels qui auront 30 ans d'existence? Voilà. Donc on a un problème, on a un problème industriel dans l'armement en général, parce que ce sont des cycles longs, voilà, d'être en cycle, d'être en phase entre la génération du matériel et puis le besoin, le cycle d'achat des clients. Et quelquefois, ça ne correspond pas. Donc je crois qu'il ne faut pas faire grief à nos amis belges, qui achètent d'ailleurs du matériel roulant militaire français, plus d'un milliard d'euros, du matériel neuf, moderne, voilà, qui vient de sortir des bureaux d'études. Donc là, on est en phase sur le matériel terrestre, on n'est malheureusement pas en phase sur le matériel aérien, parce que le F-35 a volé pour la première fois de mémoire en 2008 et vient d'intégrer l'armée de l'air américaine en 2011. Donc voilà, c'est des matériels récents. Bon. Donc dont, en plus, qui équipe l'armée de l'air anglaise, qui équipe l'armée de l'air hollandaise, qui équipe l'armée de l'air italienne. Donc il y a une intégration aussi au sein de l'OTAN. Donc il faut, avec nos amis belges, quand même pas leur jeter la pierre. Les questions de défense étaient au programme de l'échange bilatéral. On a vu les quelques mots échangés entre Donald Trump et Emmanuel Macron à l'Élysée hier matin. Et la question de l'OTAN, notamment, François.
Oui, avec Donald Trump soulève en fait un point qui est un vrai point, c'est celui du financement de l'OTAN. Les États-Unis prennent une part importante dans le financement de l'OTAN. Un quart, il me semble, du financement. En fait, c'est un peu compliqué. Il y a soit on prend le budget direct, soit le financement indirect. Ça dépend, mais d'accord. C'est entre un quart et les deux tiers en gros. Donc c'est quand même une somme. Partie importante. C'est une partie importante. Et donc ils souhaiteraient payer moins et que les Européens payent plus. Bon, ça peut être une position qui se défend, mais c'est une position qui est en complète rupture avec ce qu'avaient fait les Américains et les autres présidents américains avant lui, qui conservaient l'OTAN comme un bras armé en Europe. Il faut pas oublier que l'OTAN a de nombreuses bases militaires sur le sol européen qui lui pratiquent pour aller intervenir, et les avions américains décollent très souvent des bases de l'OTAN qui sont sur le continent américain. Donc c'est un phénomène très très complexe, c'est un problème très complexe. Après, Donald Trump a pas totalement tort de demander ce qu'ils demandent. Après, il faut voir si les Européens sont prêts à payer. Et je crois que là, il y a une discussion qui s'est engagée. Je pense quand même qu'on est loin, d'un accord. Est-ce qu'on peut penser que ça fait partie de la stratégie isolationniste de Donald Trump, de se retirer comme ça de la... Il n'y a pas de stratégie isolationniste des États-Unis. Première puissance militaire mondiale, 105 bases dans le monde. Premier budget militaire, 715 milliards de dollars. Donc, quand j'entends cela, je suis obligé effectivement de réagir. Excusez-moi. Vous êtes là pour ça. Voilà, c'est superbe. parce que les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Vous entendez ça, mais tarte à la crème. Combien de consulats ont-ils fermé, ambassades ont-ils fermé, combien de bases militaires ont-ils fermé? Aucune. Et si on regarde donc dans le temps long, sur un laps de 20 ans, admettons, est-ce que les États-Unis étaient en Afghanistan en 1998 ? Non, ils y sont maintenant. Donc c'est une avancée. Est-ce qu'ils étaient en Irak en 1998 ? Non, ils s'étaient retirés après 1993. Ils y sont maintenant. Donc ils veulent juste qu'on leur finance plus. Les États-Unis sont en Syrie. Non, c'est eux qui financent, c'est leur voilà, présence. Voilà, mais alors, qu'est-ce qui est nouveau quand même dans l'action que mène Donald Trump ? On a le sentiment quand même qu'ils veulent que les pays qui aident les États-Unis financent un peu plus l'effort d'aide de guerre ou de soutien militaire des États-Unis, néanmoins. Fondamentalement, la défense du continent européen s'articule autour d'une dissuasion nucléaire à parité avec la dissuasion nucléaire russe, c'est-à-dire autour des 7-8 000 ogives, ce que nous n'avons pas, nous en avons 250 ou 300, et donc les Anglais 250. Donc il faut une capacité nucléaire importante et en plus donc une capacité militaire classique. Ce qui ne se disait pas ou pas trop depuis un certain nombre d'années, c'est qu'effectivement, par exemple, nos amis allemands ont bénéficié du parapluie nucléaire international américains ont bénéficié de la présence des troupes américaines sur leur sol, mais n'avaient pas un budget national très conséquent. Donc voilà, il y a ces différences de vécu dans le temps entre les budgets nationaux, et il n'y a pas une cagnotte au temps dans laquelle chacun verse de l'argent. Ce sont les pays qui, effectivement, adressent des envois de troupes, font des opérations comme la France a fait pour aider les pays de la Lituanie, l'Estonie, etc., quand les avions sont présents dans leur espace aérien. Je vous rappelle que là, on voit les images en direct du Mont Valérien. On attend le discours de Donald Trump, du président des États-Unis, qui doit visiter donc un cimetière américain à Suresnes cet après-midi. Daïk. C'est un cimetière dans lequel sont enterrés 1541 soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale, mais également 24 soldats inconnus qui sont tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul cimetière en Europe américain qui réunit des soldats morts pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Et le paradoxe de ce discours, qui va sans doute être court, et on va pas parler d'OTAN, on va pas parler de négociations internationales, on est dans le symbole, mais 1918, l'intervention américaine, c'est le début des États-Unis qui arrivent dans le monde, donc c'est le début de l'ouverture des États-Unis. Et quelque part, c'est quand même ce que va célébrer Donald Trump, lui, l'isolationniste, entre guillemets, en tout cas, quelqu'un qui veut être plus en repli. Donc on va voir comment il va se sortir de ce paradoxe apparent de louer quelque part l'entrée dans le monde des États-Unis, le début de l'internationalisme américain, de l'impérialisme, diront ceux qui critiquent les États-Unis, lui qui veut un petit peu freiner, en tout cas, cet internationalisme. Donc on va voir comment il va s'en sortir. Et sur l'OTAN, je crois qu'en fait, ce qui fait qu'on a, nous, Européens, parfois un peu de mal à comprendre
la position de Donald Trump, c'est que je crois que avant d'être un chef d'État, là en l'occurrence, il est un chef d'entreprise. Et qu'en fait, ce qu'il souhaite, alors pas pour lui directement, mais business pour lui, c'est du business. Et donc, ce qu'il veut, c'est que les Européens achètent du matériel militaire américain. Et c'est une des raisons pour lesquelles il pousse tellement au réarmement des puissances européennes. Ce qu'on a pu trouver très choquant, c'est effectivement dans le bureau ovale, quand il a reçu le prince Mohamed Belsawar, cet énorme chèque ou présentation des équipements militaires américains que l'Arabie Saoudite, s'apprêtait à acheter. Donc effectivement, c'est un peu étonnant cette mise en scène. C'est pas notre culture. Et pour revenir sur l'isolationnisme et sur l'OTAN, en 2017, c'est-à-dire le président des États-Unis s'appelait déjà Donald G. Trump, il y a eu un début, et ça se poursuit actuellement, pour créer un OTAN arabe, le MESA, Middle East Strategic Alliance. Donc, ça veut dire que les États-Unis reconnaissent que dans la grande bagarre international qui a lieu actuellement de technologie militaire vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie. Ils le disent aussi bien le secrétaire d'État à la Défense que le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, que leur réseau d'alliances et de partenariats, avec l'Inde par exemple, est une chose absolument fondamentale dans leur stratégie et qui les différencie de la Russie et de la Chine qui n'ont pas ce réseau de partenaires et d'alliances. Donc au Moyen-Orient, ils sont en train d'essayer donc d'inclure l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, Abu Dhabi, Dubaï et Oman dans une zone, donc ce Middle East Strategic Alliance, qui serait une façon de solidifier la présence américaine, de stabiliser la région, et puis d'après d'aller vers un développement économique et commercial, tout en faisant un rempart à la pénétration russe, et puis aussi un rempart à l'influence iranienne, ne nous trompons pas. Ça, c'est une initiative de Donald Trump, cette stratégie-là. Son administration, elle a à peu près un an, 2017, et ça vient d'être représenté à Bahreïn la semaine dernière par le secrétaire d'État à la Défense, James Mattis, qui a donc dans la capitale de Bahreïn, a remis effectivement ce dossier en avant, en disant nous souhaitons pouvoir développer une coopération. Donc ça veut dire effectivement business aussi, c'est-à-dire que quand il y a coordination, et on est obligé de se diriger vers des armements communs, et des armements communs qui sont d'origine américaine, bien sûr, puisque ce sont eux qui vont être les maîtres d'œuvre de ce projet. Donc c'est vraiment un projet de l'administration depuis l'élection de Donald G. Trump. Alors, on va regarder des images en direct. Là, actuellement, vous allez voir normalement Emmanuel Macron qui doit arriver. On attend la délégation donc au Forum sur la paix qui se déroule à la Grande Halle de la Villette cet après-midi. On attend plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, des entreprises, des ONG, des partenaires privés. Ouais, c'est une sorte de COP21, hein, comme il y a eu à Paris sur le climat. Là, c'est on réunit tout le monde, des chefs d'État, des civils, entre guillemets, qui ne sont pas politiques, des associatifs, des gens du privé. Et puis on va phosphorer ensemble pendant jusqu'au 13 novembre, hein, donc pendant deux jours, on va dire, sur la paix dans le monde, mais pas la paix entre les États, la paix aussi d'un point de vue presque philosophique, ou en tout cas d'un point de vue concret. Il y a 5 thèmes de discussion, hein, paix, sécurité, environnement, le développement, notamment des pays les plus pauvres, les nouvelles technologies, l'économie inclusive, ce sont des mots un peu abstraits, mais derrière on sent bien qu'on n'est pas dans des négociations entre États en disant conditions de paix, mais on est plus dans ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire essayer de développer auprès des opinions quelque chose, d'aller vers la paix et une paix en commun, donc ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on peut les problèmes du monde que tous ensemble, ce qui est un peu abstrait, naïf, c'est un peu, pas abstrait, mais c'est un peu naïf, on va dire, mais c'est bien plus complexe que ça, évidemment, mais c'est ça l'enjeu de ce forum. Et ce qui est en train de se jouer, je crois que c'est assez
symbolique, parce qu'on regardait les images du Mont Valérien tout à l'heure. Le président Trump n'est pas encore arrivé d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a le Forum pour la paix, où Emmanuel Macron, Angela Merkel et Antonio Guterres vont prendre la parole en ouverture de ce forum. Je crois que c'est assez symbolique de ce qui s'est passé pendant tout ce week-end. C'est-à-dire que Donald Trump a fait bande à part tout le temps. Il a fait bande à part tout le temps. On a parlé du tweet. Il a été reçu à l'Élysée. À part samedi matin. À part samedi matin. Tout à l'heure, il a remonté les Champs-Élysées seul. Il était dans sa voiture avec son épouse, mais il est arrivé en retard au déjeuner aussi. Et pour terminer, il est arrivé en retard au déjeuner. Il est d'ailleurs vraisemblablement en retard maintenant également. Donc tout au long de ce week-end, il aura fait preuve, alors on va dire, d'un isolationnisme personnel en tout cas. Merci. Et le symbole, encore une fois, est assez intéressant, parce que d'un côté, vous avez tous les chefs d'État qui eux sont restés et qui participent à ce forum sur la paix, et puis de l'autre côté, vous avez le président américain qui va prendre la parole maintenant. Et Vladimir Poutine qui est arrivé aussi dernier pour se faire remarquer un petit peu. Donc vous voyez, chacun joue un petit peu sa propre comédie humaine, n'est-ce pas ? Sa carte. Justement, on peut dire un mot, Vladimir Poutine sera présent à ce forum sur la paix. Tout à fait. Il n'a pas décliné l'invitation comme Donald Trump. Il ne se sent donc pas concerné, mais c'est vrai que c'est plus contre... Enfin, c'est pas contre Donald Trump, hein, ce forum, mais c'est vrai que ça ne correspond pas aux idées de Donald Trump, ça ne correspond pas aux idées de Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, il tweete moins que Donald Trump. C'est moins un épouvantail, en tout cas, idéologique que Donald Trump. Vladimir Poutine, il s'occupe des intérêts de la Russie. Voilà, c'est sa stratégie. Donald Trump aussi, mais derrière Donald Trump, il y a une idéologie quand même. Enfin... qui est le capitalisme et qui est quelque chose qui dépasse le simple défense des États-Unis, François. Oui, et Vladimir Poutine a dit à la télévision russe qu'il était tout à fait prêt à discuter, alors il l'avait déjà dit avant, qu'il était tout à fait prêt à discuter avec Donald Trump ici à Paris. Alors, au fur et à mesure que le week-end avance, ça c'est une déclaration qui date de quelques minutes, mais au fur et à mesure que le week-end avance, on voit mal comment ça va se produire. Mais en tout cas, les deux hommes se sont salués tout à l'heure, hein, de façon d'ailleurs assez cordiale, hein, c'était au Bout de Triomphe. Mais du côté de Vladimir Poutine, lui, encore une fois, il n'exclut pas une rencontre en tête-à-tête avec le président américain. Là, on voit ces images en direct de ce forum sur la paix qui est organisé à la Grande Halle de la Villette, à Paris. C'est la première édition d'AIX. La diplomatie française travaille sur ce projet depuis un an. Un an, mais ce n'est pas forcément l'émanation totalement de la diplomatie française. En tout cas, via le financement qui coûte 5 millions d'euros, c'est des partenaires privés qui financent là, et le comité exécutif, le conseil exécutif, ce sont plutôt des fondations, des think tanks, notamment en France, vous avez par exemple l'Institut Montaigne, vous avez aussi l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, vous avez aussi d'autres think tanks étrangers, à la fois aussi allemands et du monde anglo-saxon, qui financent ce forum, donc qui est plus qu'un colloque, qui n'est pas un sommet international, qui n'est pas tout à fait comme une COP21, parce que c'est vrai qu'il y a les mêmes acteurs qu'une COP21, mais il n'y a pas un texte à la fin où les États s'engagent. Néanmoins, à l'issue de ce forum, les membres, les participants s'engagent à financer quand même 10 projets, à peu près une dizaine de projets qui ont été retenus, sélectionnés, allant dans le sens de la paix. C'est donc par exemple des réfugiés, voilà, c'est ce genre de choses, des petits projets concrets, mais qui vont être financés à l'issue, enfin qui vont être sélectionnés et financés à l'issue de ce forum, puisque l'enjeu quand même, c'est de montrer que ça sert à quelque chose, ou est-ce que c'est juste pour montrer que tout le monde est derrière Emmanuel Macron. Oui, alors ce forum de la paix, c'est vraiment un objet diplomatique non identifié, si on peut dire. L'idée, c'est de faire quelque chose de nouveau, c'est ce que vous disiez, hein. Alors, c'est pas l'ONU non plus, c'est pas une simple conférence, c'est pas un sommet, c'est pas le G7, c'est pas le G9, c'est quelque chose de nouveau, et l'idée, c'est que ça se poursuive. C'est-à-dire qu'on est à la première édition, oui. Là maintenant, c'est prévu pour être le 11 novembre. D'ailleurs, ça va durer 3 jours, hein, le disait tout à l'heure. Et la deuxième édition, si tout se passe comme les organisateurs le souhaitent, aura lieu normalement le 14 juillet 2019. Exactement. Pardonnez l'expression, mais j'ai l'impression qu'on est dans un cycle qui s'amorce de paix collaborative. Donc, pardon pour le mot, mais... Expliquez-nous. L'idée des projets, voyez-vous, l'idée de dire, ben voilà, c'est pas le moment de passer d'un état de guerre à un état de paix, mais c'est d'enrichir la paix, c'est de compléter la paix, c'est de faire vivre la paix. Et donc, par ces rencontres de dirigeants, mais aussi par la mise sur pied de projets concrets. Et là, on rejoint le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU au mois de septembre, où il positionne notre pays comme étant une puissance certes moyenne, mais médiatrice.
C'est-à-dire que là, effectivement, le monde entier est à Paris. Nous sommes après un magnifique discours de notre président, on est au centre. Donc, qu'est-ce qui est plus médian que le centre? Il n'y a pas. Bon. Donc, vraiment, là, on est en train de réunir le monde et de lancer des idées. C'est la France des droits de l'homme, c'est la France universaliste qui imagine, qui vit dans ses émotions et dans son intellect des projets de nature mondiale. Nous sommes impliqués. Notre Premier ministre était au Vietnam il y a quelques jours. On participe à des présences militaires en mer de Chine. Donc voilà, on est dans une France mondialisante et sur le plan diplomatique et sur le plan, bien sûr, aussi économique. – Quand même à ce que ce ne soit pas la France du blabla. Parce qu'on parle d'où les projets, mais il faut aussi que les projets aient, bon, voilà, une vraie valeur, un vrai poids, une vraie ampleur, même en termes de budget, de montant hein, financier. Bon, on va voir. Hein, tout bien, c'est long. C'est deux jours, mais attention quand même à pas montrer cette image. Si c'est le premier barreau de l'échelle, voilà, il faut qu'il y ait d'autres barreaux après. Parce qu'il y a le verbe diplomatique, c'est très couru hein, pour la diplomatie française, que François connaît mieux que moi. Mais est-ce qu'on a les moyens d'avoir autre chose que cette diplomatie du verbe? La question, effectivement, c'est de savoir ce qui va se passer après. Est-ce que ce forum sera suivi des faits ou pas? Mais on sait aussi qu'en diplomatie, ce qui est important, c'est les symboles. Et là, d'ailleurs, rien que sur l'écran de France Info, encore une fois, je reviens sur ces deux images qui sont côte à côte et qui sont, je trouve, très symboliques. Encore une fois, à gauche, le Mont Valérien, où on attend Donald Trump, qui a été très isolé, qui s'est auto-isolé tout au long du week-end. Et à droite, on ne le voit plus, mais l'image donc du forum pour la paix, où le président Macron et Angela Merkel vont intervenir dans quelques minutes. Et encore une fois, je crois que tout ça est extrêmement symbolique de ces deux visions du monde qui s'opposent. D'un côté, America first, hein, et de l'autre, au contraire, eh bien, le multilatéralisme. Là, ça y est, on voit les images de nouveau du forum sur la paix à la Grande de la Villette, où plus de 60 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, des ONG, des partenaires privés. Est-ce qu'on peut rappeler le financement de ce forum, justement, d'AIX? Ça a quelque chose d'assez particulier, c'est assez inédit. C'est 5 millions d'euros, financés presque exclusivement par des partenariats privés. Mais attention, aucun n'avait le droit de financer plus de 10% de la somme totale, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, par exemple, je dis n'importe quoi, mais on pouvait dire que Google a les moyens financiers de tout payer, mais on aurait dit c'est un forum à la gloire de Google. Donc pour éviter que de privatiser entre guillemets, ce forum, voilà, on n'a pas droit, les entreprises privées ou les fondations privées n'ont pas droit de financer au-delà de 10% le financement de cette manifestation. Et on parlait de l'intérêt de ce forum et de son efficacité d'une certaine façon. Donc personne ne peut dire si ça va déboucher sur quelque chose de concret. Donc il y aura 10 projets sélectionnés et qui vont être financés. On peut se dire aussi, est-ce que c'est quand même pas mieux que ça existe plutôt que ça n'existe pas, puisque c'est un lieu d'échange, un lieu de dialogue, où on voit qu'ailleurs dans le monde, on citait l'ONU qui a du mal, etc. Ailleurs dans le monde, ces lieux de dialogue ne bougent pas sur des décisions concrètes. Et à nouveau Paris, la COP21 Paris qui a beaucoup marqué, et à nouveau donc un forum mondial de la paix à Paris. Donc on a le deuxième réseau diplomatique mondial derrière les États-Unis. Donc là, nos réseaux diplomatiques dans le monde vont avoir matière à véhiculer cette image, à véhiculer effectivement la différence de la France et l'apport de la France. Donc ce qui est important dans les relations d'État à État, et puis aussi pour intervenir dans le développement des zones ou des régions ou des pays où nous voulons être de plus en plus impliqués. Je citais le Vietnam tout à l'heure. Bon, voilà, et c'est effectivement un élément important de la diplomatie française. Daïk, on sait que Emmanuel Macron est au plus bas dans les sondages en politique intérieure. C'est vraiment très très compliqué pour le président de la République. Est-ce qu'il peut tirer profit de cette séquence internationale et puis de l'image? C'est-à-dire, on se souvient de François Hollande entouré de tous les chefs d'État qui défilaient dans Paris après les attentats de Charlie Hebdo. Là, Emmanuel Macron entouré de 70 chefs d'État et de gouvernement sous l'Arc de Triomphe. Est-ce que cette image-là peut redorer un petit peu le blason présidentiel? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà la présidentialisation du chef de l'État. Alors ça, c'est un peu une tarte à la crème, ce mot-là, mais c'est vrai que, par exemple, tout au long de cette itinérance, il y a eu des moments où il était présidentiel et d'autres où il n'était pas. Quand il est descendu voir les gens, peut-être qu'il s'est déprésidentialisé pour être plus au contact des gens. Et là, il revient
à une image plus présidentielle où c'est lui, on l'a vu quand même très solennel. Ça rappelait quand même quand on l'a vu passer passer les troupes en revue tout à l'heure sous une petite pluie. Voilà, il avait un visage assez grave. Voilà, on a retrouvé ces images-là d'un président présidentiable. Voilà, enfin, pour reprendre ce mot un peu tarte à la crème. Donc voilà, après, si on parle des difficultés intérieures d'Emmanuel Macron, le test, ça va être le mouvement des Gilets jaunes samedi prochain. Évidemment, cette image-là aujourd'hui n'est pas une réponse aux Gilets jaunes. On est autre chose, on est vraiment sur du long terme, sur un moment retrouver peut-être, par rapport aux Gilets jaunes, le problème des Gilets jaunes, ça va pas. On va y venir. Mais peut-être, je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'on va retrouver le Emmanuel Macron des débuts qui, entre guillemets, faisait plaisir aux Français parce qu'on voyait qu'il y avait un chef de l'État qui était au cœur de tout et au cœur du monde, au cœur de la diplomatie. Si tant est que cette image-là ait existé au début, l'idée de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que peut-être Emmanuel Macron pourrait retrouver cette image-là. Alors je vous interromps un instant parce qu'on va prendre la direction de la Grande Halle de la Villette où on retrouve notre journaliste Guillaume Périllou. L'ouverture du forum a déjà pris du retard. Il y a déjà 20 minutes de retard. C'était prévu pour 15h30. Il est déjà 15h51. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, Guillaume ? Oui, Fanny, le chef de l'État qui n'est donc toujours pas arrivé ici au Forum pour la paix. On a donc du retard. Le chef de l'État qui devra donc d'une minute à l'autre, dès qu'il arrivera, inaugurer ce forum en compagnie d'Angela Merkel et d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Un forum qui va se tenir ici jusqu'à mardi soir. Le but est très simple, faire mieux fonctionner l'entente internationale, le multilatéralisme avec, dans le viseur de ces trois jours de conférence, la politique unilatéraliste de Donald Trump. Chefs d'État au total sont attendus, 80 délégations étrangères, mais aussi des associations, des ONG et des organisations internationales comme le FMI présidé par Christine Lagarde. On a vu des membres du gouvernement arriver ici. Un forum pour la paix qui est donc le premier et qui devrait s'étendre, se refaire l'année prochaine, dès le 14 juillet prochain, 14 juillet 2019. Merci Guillaume. Justement, on en parlait, hein, juste avant de rejoindre Guillaume Périllou, de cet effet peut-être positif pour Emmanuel Macron, cette séquence internationale. Certainement. Bon, il est difficile de dire si ça va être plus 1, plus 2 ou plus 3%, mais à partir du moment où il s'est remis en région, il est allé au contact des Français, il les a écoutés, il a su dialoguer avec des syndicalistes dans une usine automobile, c'est même au Marais-Bonne. Bon, voilà, donc il a su être au contact et je crois que le pays va lui donner acte de ça. Deuxièmement, comme vous venez très bien de le présenter, on est à nouveau dans une diplomatie mondiale. Bon, je crois que les Français sont flattés. Et troisièmement, vous faisiez allusion aux Gilets jaunes. Comme Emmanuel Macron a une spécialité, c'est l'alignement des astres. Donc on vient de parler de deux astres alignés. Le troisième, c'est la baisse des cours du pétrole. Le pétrole hier, en tout cas vendredi, est arrivé, le Brent, coté à Londres, à 69 dollars. Il était à 86 il y a trois semaines. Donc, voilà, les Gilets jaunes vont peut-être manifester, mais le prix du diesel est redescendu à 1,45 €. Donc, voyez-vous, il y a un certain nombre de facteurs très, très positifs. Donc, la manifestation Gilets jaunes aura lieu, mais en tout cas, certainement avec moins de punch ou de vigueur, parce que les gens regardent le prix à la pompe qui est reparti à la baisse. Est-ce que, Daïk, on peut faire un bilan de cette semaine, effectivement, d'itinérance commémorielle d'Emmanuel Macron, qui a été perturbée par des questions de politique intérieure? Moi, je serais moins optimiste que monsieur. D'ailleurs, ce n'est pas une question d'optimisme. Et puis, c'est un avis et je me trompe peut-être. Évidemment, je pense qu'évidemment, la colère des Gilets jaunes ne concerne pas que le carburant et que le carburant est un peu la goutte d'eau, comme on dit, qui a allumé la mèche, pour reprendre deux expressions. Non, mais c'est pour ça. Et que voilà, il y a une colère qui monte, qui va s'exprimer peut-être indépendamment du carburant. Sur le côté, il a fait deux choses cette semaine, pendant toute cette itinérance. Il y a eu le côté été et le côté là, universel, le vaste monde et le monde tout près de chez moi. On peut dire que dans ce cas-là, il englobe les deux univers et qu'il englobe tout le râteau, par exemple, les deux pôles. Moi, on peut aussi penser, et c'est ce que je pense, mais je me trompe peut-être, que parler de l'un et de l'autre fait qu'on n'est plus écouté et que les messages sont pas audibles forcément, parce que soit on s'adresse au monde proche, soit on s'adresse au vaste monde, mais s'adresser aux deux en même temps, il y a un moment où la connexion se fait pas.
pour les gens qui écoutent, pour les observateurs, pour tout le monde. Et je pense qu'à vouloir parler de tout, même s'il y a une cohérence entre le vaste monde et le monde près de chez moi, à parler de tout au même moment, ou quasiment au même moment, on n'est plus audible. C'est ce que je pense, je me trompe peut-être, on verra les enquêtes d'opinion la semaine prochaine. Alors vous faites bien d'évoquer le « en même temps ». Bon, là, c'est tout à fait à l'image du mouvement présidentiel. C'est quand même une semaine avec les Français et deux jours avec le reste du monde. Donc, pendant qu'il était en visite à Charleville-Mézières, il était à Charleville-Mézières. Oui, mais il parlait pas... à la fois de la Grande Guerre, du grand symbole, de la grande direction où le pays va aller, et en même temps des petits problèmes quotidiens. Et les deux sont aussi importants. Qui a touché ô combien les régions dans lesquelles il était. Donc voilà, en parlant du sacrifice des habitants de Charleville-Mézières, il parlait effectivement des habitants de Charleville-Mézières. Alors, regardez ces images. On attend le président des États-Unis, Donald Trump, qui se rend sur le cimetière américain de Suresnes. Il va prononcer un discours sur le Mont Valérien. On l'attend d'ici quelques instants. Le président des États-Unis, est-ce qu'on peut avoir une idée des messages qu'il va envoyer aujourd'hui, François ? Je crois que ça sera surtout de la commémoration. Là, on n'est pas en attente d'un message politique fort de la part du président américain à ce moment donné. Il va envoyer un message de commémoration. Parce que l'idée, ça va être aussi un peu de rattraper le coup, si je peux dire, par rapport à hier, où il avait annulé sa visite d'un cimetière. Est-ce que là, il va essayer de montrer l'importance. C'est ça. Aux États-Unis, il avait sous-estimé la colère que le fait qu'il ne soit pas allé au Bois Belleau. Oui, au Bois Belleau. Je me permets de vous interrompre. On voit Vladimir Poutine qui arrive cette fois au Forum sur la paix à la Grande Halle de la Villette. Vous voyez en bas à gauche de votre écran, voilà, on a vu Vladimir Poutine arriver. Excusez-moi François, vous disiez, on parlait du discours de Donald Trump. Sur le discours de Donald Trump, oui, je pense que le fait qu'il soit en solo, donc on parlait du Janus en début d'émission, donc le Donald G. Trump va parler à la population américaine. Et il va être en solo, il n'y a pas d'autres chefs d'État qui vont prendre la parole. Excusez-moi, Gérard Vespierre, un instant, on voit Emmanuel Macron qui arrive, priorité au direct, on voit Emmanuel Macron et Angela Merkel qui arrivent donc enfin au Forum sur la paix à la Grande Halle de la Villette. Leur arrivée était prévue à 15h30, il y a donc une demi-heure de retard. Ce Forum sur la paix qui se tient donc à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Pour donc cette cérémonie d'ouverture, le président de la République va prendre la parole, Angela Merkel aussi. Est-ce qu'on peut rappeler l'objectif, Daïk, de ce forum ? Oui, on le rappelle, ce n'est pas un sommet international en bonne et due forme. C'est un peu comme la COP21 qu'il y a eu à Paris sur le climat. C'est-à-dire qu'on mélange, on mêle des chefs d'État, des représentants d'ONG, des représentants d'institutions internationales. Et pendant deux jours, ce monde-là va réfléchir au comment reconstruire un pays après la guerre. Voilà, comment établir la paix. Les sommets internationaux, c'est pour signer la paix. Le forum, ça serait pour la construire et permettre d'exister d'un point de vue économique, climatique, puisqu'il y a plusieurs ateliers sur le développement, un autre sur l'économie inclusive, un autre sur le climat. Bref. On réfléchit à tous les problèmes et on va essayer de trouver non pas des solutions ensemble, mais de sélectionner 10 projets qui pourront être financés par les associations qui organisent ce forum. Là, on a l'impression, vous voyez sur ces images à droite de votre écran, les caméramans, les photographes se pressent. On peut imaginer que le président des États-Unis va arriver d'ici quelques instants sur ce Mont Valérien à Suresnes pour rendre hommage aux soldats américains. François, on le disait, l'objectif, ça va être évidemment de faire un hommage en bonne et due forme aux soldats américains tombés pendant la Première Guerre mondiale. Oui, et pendant que les autres chefs d'État, en tout cas deux d'entre eux, vont prendre la parole au Forum sur la paix. Et on peut d'ailleurs imaginer que, au-delà des objectifs que Daïk donnait pour ce Forum sur la paix, il y a une façon aussi, un objectif peut-être un peu caché, qui serait de contourner Donald Trump qui, on le sait, n'est pas favorable au multilatéralisme, c'est un euphémisme de le dire, et là c'était aussi peut-être ce Forum sur la paix une façon de le contourner, de dire bah voyez, vous voulez pas être avec nous, mais nous on est tous ensemble. Et c'est vrai que le nombre de chefs d'État réunis actuellement à la Villette est très impressionnant. Il y a peut-être aussi ce avec, on a vu Vladimir Poutine qui est arrivé, et ça c'est important par rapport à ce que dit François, que Vladimir Poutine soit à ce forum et pas Donald Trump. Parce que ce qu'on peut critiquer quand même ou dire de ce forum, c'est que ça sert à quoi discuter avec des gens qui pensent la même chose. Parce que
la majorité des chefs d'État sont pour le multilatéralisme. Et le fait qu'il y ait Vladimir Poutine, ça donne de la caution en disant que voilà, il n'y a pas forcément que des gens qui pensent comme nous. Et c'est un peu différent s'il n'y avait pas son permis, il n'y a pas le président chinois non plus. Vous voyez, donc là, qui est Vladimir Poutine, ça donne vraiment de la caution à ce forum en disant on n'est pas contre gens qui pensent la même chose. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est concrètement le multilatéralisme, cette doctrine, le multilatéralisme? On n'est pas forcément très très éloigné. Moi, je suis très très prudent sur les commentaires que l'on entend depuis quelques mois, parce qu'il y a deux choses. Il y a premièrement le négoce, le business. Et quand il y a des négociations entre les États-Unis et l'Europe, on parle du prix de l'acier, du prix de l'aluminium, du prix des motos américaines et du prix du jus de fruits de Floride. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les affaires. Et la même chose quand les États-Unis parlent avec le Canada ou avec le Mexique. Dans le domaine, par exemple, vis-à-vis de la Chine, on est dans un cadre tout à fait différent. Même si il y a une politique économique des États-Unis vis-à-vis de la Chine, avec des hausses de tarifs douaniers, il y a une volonté d'agir sur la politique chinoise en mer de Chine. Il y a aussi de la géopolitique. Donc c'est tout à fait, je dirais, différent. Voyez-vous. Donc on est là dans un espace qu'il faut absolument souligner, de différence entre les pures négociations business et les négociations géopolitiques avec la Chine, parce que la Chine est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Elle est à un point, je dirais, d'inflexion où son taux de croissance peut descendre. Et si le taux de croissance descend, la situation économique et financière chinoise va être très difficile. Alors là, on aperçoit Donald Trump qui arrive. Et puis juste un mot, on vient de voir une dépêche AFP, oui. François. On se demandait tout à l'heure si le président Poutine allait avoir une discussion avec le président Trump. Et en fait, cette discussion a eu lieu. C'est Moscou qui l'affirme, puisque Vladimir dit avoir eu, je cite, une bonne conversation avec Trump à Paris. Ce qui explique d'ailleurs le retard vraisemblablement compris les deux cérémonies. Et ils se sont vraisemblablement parlé à l'Élysée, puisque ils étaient à la même table. Hein, ils étaient à la table du président Macron. Oui, on rappelle qu'il y avait un déjeuner ce midi après... Une dizaine par table. Et vraisemblablement, j'ai pas les détails, mais vraisemblablement, ils ont dû, après ce déjeuner, avoir un tête-à-tête. Oui. S'isoler et avoir un tête-à-tête. Donc là, vous voyez le président des États-Unis, Donald Trump, qui est donc arrivé à Suresnes au Mont Valérien, qui attend quelques instants. Il va prononcer un discours. Donc la France est tout à fait dans son rôle, là, dans sa position de puissance médiatrice. On en parlait tout à l'heure, on l'évoquait dans le cadre du discours du président Macron à l'ONU au mois de septembre. Eh bien, le mois de septembre, au mois de novembre, et un mois et demi, deux mois plus tard, effectivement, là, l'organisation française, la diplomatie française est le cadre d'une réunion, d'un rapprochement, certes de 20 minutes ou d'une demi-heure seulement, mais quand même entre le président des États-Unis et le président russe. Donc je pense que c'est un crédit qui sera donné à notre pays, à notre diplomatie et à son président. Vous posiez la question, Fanny, du multilatéralisme. Vous demandiez ce que c'est. Bon, si on prend la définition stricto sensu, c'est tout simplement le fait d'avoir des relations diplomatiques à trois, enfin à trois ou plus. Au moins à trois. Au moins à trois, au minimum à trois. Donc c'est ça. Et on sait que Donald Trump a choisi. Voilà le président. Voilà. Président Macron, voilà. Merci beaucoup, Tricia. On écoute Emmanuel. Mes chers amis, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers amis, je souhaitais juste prononcer ici quelques mots d'accueil. Ces cérémonies du centenaire de l'armistice de 1918, l'histoire retiendra sans doute une image, celle de 84 chefs d'État et de gouvernement réunis, alors qu'hier ils représentaient des nations belligérantes, réunis sous l'arc de triomphe dans la paix. Mais... mais ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre ? Et cela ne dépend que de nous.
Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce forum de Paris sur la paix, qui a vocation à se reproduire chaque année, afin que nous tous et toutes, chefs d'État et de gouvernement, bien sûr, et je veux remercier toutes celles et ceux ici présents qui se sont mobilisés et qui sont là, mais également organisations internationales, organisations non gouvernementales, pouvoirs locaux, associations, entreprises, fondations, intellectuels, journalistes, activistes, comme vous l'avez dit, cher Trisha, toutes celles et ceux qui font aujourd'hui le monde et qui peuvent le changer. Ce forum de Paris sur la paix a pour vocation chaque année de réunir les uns et les autres pour promouvoir des actions concrètes, pour que ce travail de paix avance un peu plus chaque année. Et c'est aussi pour cela que je veux saluer ici la présence de la co-lauréate du prix Nobel de la paix 2018, Nadia Mourad, qui lancera dans quelques instants un projet très concret pour consolider la paix à travers sa fondation pour le Sinjar dans le nord de l'Irak. Merci à vous. Voilà, mes chers amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tous ceux qui sont tombés il y a 100 ans, comme le disait Clémenceau, ont des droits sur nous. Et c'est là que gît notre devoir. Il y a 100 ans, nous n'avons pas réussi à gagner la paix, parce que la France et l'Allemagne ont continué de se diviser. Et d'humiliation, en crise, en montée des totalitarismes, 20 ans plus tard, la guerre ressurgit. C'est pourquoi je tenais absolument à ce que ce premier forum de Paris sur la paix soit inauguré par Madame la chancelière Angela Merkel. Merci, chère Angela. Et il y a 100 ans, nos prédécesseurs ont tenté de construire durablement cette paix. Ils ont inventé la Société des Nations, la première forme de coopération internationale, mais elle s'est fracassée sur l'unilatéralisme de certains, sur les crises économiques, morales et les nationalismes. C'est pourquoi je souhaitais que le deuxième intervenant pour ouvrir ce forum de Paris sur la paix soit le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Merci, cher Antonio, d'être là. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire en vous remerciant pour votre présence et en remerciant la chancelière Merkel et le secrétaire général Guterres pour leur présence et leurs mots, et je leur cède la parole. Merci à vous. Donc vers le centre de cette scène du Forum sur Paris. François, est-ce qu'on peut retenir en un mot ce En un mot, c'était grave, en fait, hein, puisqu'il a dit, est-ce que ce sera... Donc Emmanuel Macron a dit, est-ce que ce sera une paix durable ou est-ce que c'est un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans le désordre. On va écouter Angela Merkel. Herr Präsident, lieber Emmanuel Macron, sehr geehrte Damen und Herren Ministerpräsidenten, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Traduction. Ce matin, je crois pouvoir m'exprimer au nom de tous, ce matin, au cours d'une cérémonie émouvante, nous nous sommes rappelés que le 11 novembre, vers 11h du matin, il y a exactement un siècle, on a appris la nouvelle sur le front ouest d'un armistice. Des messagers avec des clairons ont proclamé l'armistice, les soldats ont célébré.
et nous avons revécu cet épisode. Il a fallu créer un nouveau concept pour qualifier cette guerre, le concept de guerre mondiale. En Grande-Bretagne et en France, on parle de la Grande Guerre qui a dépassé en horreur tout ce qui a existé jusqu'alors. L'euphorie, les hurrahs, la propagande de la victoire rapide se trouvaient au début de la guerre. Elle finit par 17 millions de morts. Comment cela a-t-il été possible dans des États avancés, dans des États qui se disaient éclairés? On a utilisé le progrès technique, les armes de destruction massive, l'œil des bombes, les sous-marins qui ont été utilisés en ignorant les pertes possibles. On a purement et simplement bafoué les fondements même de la civilisation. L'Allemagne a été battue. Nous avons tous perdu. Ce sont les termes utilisés par le général de Gaulle. Cette guerre, avec tant de sang versé, montre où conduit la suffisance nationale et l'arrogance militaire. Et cette guerre nous fait comprendre quelles conséquences catastrophiques peuvent entraîner le mutisme et l'absence de volonté de compromis en politique et en diplomatie. Aujourd'hui, un siècle plus tard, nous portons notre regard sur cette guerre. Nous nous souvenons des victimes, des hommes, des femmes, des enfants. Nous nous souvenons des soldats qui sont tombés sur le front. Mais, et voilà pourquoi, cher Emmanuel, je t'en suis reconnaissant. Nous ne pouvons pas nous en tenir là. Nous devons nous demander ce que cela représente pour nous aujourd'hui. Nous avons tous été invités à contribuer un ouvrage à la Bibliothèque de la Paix. J'ai choisi Lettre au fils de Käthe Kollwitz, une grande artiste allemande qui écrit à propos de ses deux fils. L'un de ses fils, qui est tombé en Belgique au début de la guerre, et son espoir extraordinaire que son autre fils puisse survivre, son autre fils qui était infirmier. On a le cœur tellement lourd. Mais pourquoi donc cette jeunesse resplendissante est tuée alors que les vieux survivent? Je suis aujourd'hui devant vous, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Pour moi, cela est un honneur. J'en sais gré à Emmanuel Macron également de ce que nous avons commémoré hier. En effet, à Compiègne, où l'armistice a été conclu il y a un siècle, ce site rappelle l'arrogance des Allemands. Aujourd'hui, on parle de l'amitié et du partenariat entre nous, et c'est un signe extraordinaire. Mais c'est tout autant un engagement. En effet, c'est loin d'être une évidence, surtout après toutes les souffrances que les Allemands ont infligées à leurs voisins, à l'Europe, au monde, au cours de deux guerres mondiales. C'est une invitation généreuse entre amis, et la paix que nous avons aujourd'hui, qui nous paraît parfois par trop évidente, cette paix est loin d'être une évidence et il faut que nous nous battions pour elle. Et c'est pourquoi je voudrais formuler mes inquiétudes qui s'associent à cette célébration d'aujourd'hui. L'inquiétude que l'on retrouve, que l'on soit de nouveau en présence d'un nationalisme à œillères, qu'on recommence à agir comme si on pouvait purement et simplement ignorer nos relations réciproques, nos engagements réciproques. Nous voyons bien que la coopération internationale, un équilibre pacifique entre les intérêts des uns et des autres, et que même le projet européen de paix est de nouveau mis en question. Nous voyons que certains sont prêts à faire prévaloir leurs intérêts propres, fût-ce par le recours à la violence. L'année dernière, Monsieur le Président des Nations Unies, 222 conflits violents ont été dénombrés dans le monde. 222 conflits. D'Angela Merkel au Forum sur la paix à Paris. Et maintenant, on va écouter Donald Trump qui se trouve au cimetière américain à Suresnes. On l'écoute. Elle prenait fin. Grâce à Dieu, quelle guerre atroce. Des millions d'Américains, de Français et d'alliés s'étaient battus avec compétence et avec un extraordinaire courage dans cette guerre, l'une des plus sanglantes que la Terre ait connue. Nous sommes ici pour rendre hommage aux braves Américains qui ont
sacrifier leur vie lors de la Première Guerre mondiale. Mélania et moi-même avons été très honorés d'être accueillis par le président Emmanuel Macron et Brigitte lors de cette magnifique cérémonie. At the centennial commemoration of Armistice Day. It's very beautiful, so well done. To all of the French military leaders, je tiens à remercier l'organisateur de cette journée extraordinaire et à me souvenir du sacrifice immense fait par tous ces soldats. Je tiens également à remercier Joseph Dunford, ainsi que l'ensemble des chefs d'état-major, ici présent le commandant pour la zone Europe, Scott Peratti. Général, merci. Général Todd Walters, pour les forces aériennes, merci. Les membres du Congrès également qui nous ont rejoints, Ralph Abraham, Anthony Brown, John Carter, Paul Cook, Henry Coyer, Richard Hudson, Bill Heisinger, Dutch Ruppersberger, John Rutherford et Steve Sivers. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'être avec nous. Et je sais que vraiment faire partie de ce voyage, je vous remercie. Cette journée de l'armistice, aujourd'hui, est célébrée aux États-Unis dans le cadre de la journée des vétérans. Nous avons aujourd'hui 6 vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui sont avec nous, entre autres James Blaine. Où se trouve James? We have a number of amazing James, merci. With us today, merci, James. Including 6 veterans of World War II. Frank DeVita. James, merci, Frank. Merci beaucoup. Vous avez l'air d'être bien là où vous êtes, bien abrité de la pluie. Vous êtes malin, vous. Pete Dupre. Merci beaucoup, Pete. Gregory Malakin. Merci, Gregory. Stephen Malikoff, merci, merci Stephen, et Jay Trimmer, merci, merci Jay. Merci, j'ai l'impression que vous êtes tous en excellente forme. J'espère qu'un jour, on pourra en dire autant de moi. Les Américains ont une dette éternelle à votre égard. I hope I look like that someday. Nous avons également la joie d'avoir avec nous un garçon de 13 ans qui vient des États-Unis, Matthew Husky. Matthew est en 8e et il a économisé pendant 2 ans pour pouvoir faire ce voyage en France. Il voulait absolument être ici en personne pour rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Merci Matthew, tu nous rends très fiers. Où est Matthew? Matthew, merci beaucoup Matthew. Tu es très en avance Matthew, sur ton âge. Aujourd'hui, il y a 100 ans, les familles s'embrassaient, les cloches retentissaient, on faisait la fête partout, dans toutes les villes d'Europe et aux États-Unis. Mais la victoire avait coûté très cher, plus d'un million in towns throughout Europe. And the United States. De soldats français, 116 000 Américains étaient tués avant la fin de la guerre. Beaucoup d'autres soldats furent mutilés dans l'horreur des tranchées de la guerre chimique. Would come home bearing the lasting scars of trench warfare and the grisly horrors of chemical weapons. La bataille de la Somme. Over 26,000 Americans lost their lives, and more than 95,000 were wounded. A coûté la vie à 20 000 Américains. C'est la bataille la plus meurtrière de l'histoire militaire américaine. Ici, à Suresnes, plus de 1500 soldats américains sont enterrés qui ont fait l'ultime sacrifice pendant la Première Guerre mondiale, y compris nos marines qui, dans la forêt de Belleau,
se sont battus comme des lions pour obtenir la victoire. À partir de ce moment-là, on les a décrits comme des Devil Dogs. Devil Dogs, John Kerry, je connais cette expression pour leur courage. John Kelly knows that name, Devil Dogs, very well, John, right? Earlier this year, President Macron nous a fait un cadeau as a gift to our nation, en hommage à cette bataille. Reminder of our friendship sealed in battle. We fought well together. You could not fight better than we fought together. Sergeant, les soldats américains ont fait preuve, d'un courage incroyable. Eugene, par exemple, a mis sa vie en péril pour aller soigner un de ses camarades tombé, blessé. Il est mort peu après cet acte de bravoure. Precious son, she loved him so much. She was one of the thousands chacune of des croix, moms and dads. Chacune de ces étoiles de David blanches, ici marque la mort d'un grand combattant américain qui a tout sacrifié pour sa famille, son pays, Dieu et la liberté. À travers les conditions horribles qui furent celles de cette guerre, les balles et le mortier, ils avançaient vers la victoire. Une immense victoire, coûteuse mais extraordinaire, ne sachant jamais s'ils reverraient un jour leur famille ou si un jour ils pourraient tenir entre leurs bras ceux qu'ils aimaient, comme l'a dit le sergent Paul Maynard dans une lettre qu'il a écrite quelques jours à peine avant la fin de la guerre. Ma chère mère, je pense à vous tous, et si je suis épargné par la guerre, si je rentre, je sais que j'aimerais mon foyer encore plus que je ne l'ai jamais aimé. Ce foyer me sera un paradis, être une fois de plus là où il y a la paix et où il n'y a que la paix. Le 11 novembre 1918, Paul est mort lors des dernières heures de l'assaut de la bataille, juste avant la fin. Malheureusement, en rentrant chez lui, il faisait partie de ces si nombreux jeunes hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux, mais qui, par leur sacrifice, ont accédé à la paix aux cieux. Repose en paix, Paul. Les patriotes français américains de l'époque illustraient toutes les grandes valeurs de nos deux pays. Il est de notre devoir de préserver la civilisation qu'ils défendaient et de protéger la paix qu'ils ont préservé au prix de leur vie il y a un siècle. Et c'est en honneur que je vous présente, que de prier au général un drapeau américain, car votre commission, la Commission des monuments de guerre américains, a fait un travail extraordinaire dont nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Nous renouvelons aujourd'hui notre obligation, qui est une obligation sacrée, à savoir maintenir ces lieux de mémoire qui rendent hommage aux soldats américains, afin qu'ils reposent en paix éternellement. Merci. Thank you very much. And General, this is a great honor. Thank you very much. Ouais, peut-être qu'à me lancer. François, qu'est-ce qu'il merci, faut retenir de ce discours de Donald Trump sur le cimetière américain de Suresnes? Alors, il a été dans son rôle. Il a été dans son rôle. Il a salué, il a rendu hommage aux Américains courageux, aux courageux Américains qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale. Bon, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Enfin, il est dans le cimetière à Suresnes. Bon, excusez-moi, je vous interromps, François.
Eh ben non, c'est bon. Bon, voilà, pas de grande surprise. En revanche, moi, j'aimerais, si vous êtes d'accord, revenir sur le discours d'Emmanuel Macron en ouverture du Forum de la paix. Sur le plan, je dirais, de la forme, c'était assez décontracté. Il avait le micro en main, et comme il sait le faire, comme il aime le faire, on dirait un peu un patron de start-up qui parle à des collègues. C'est fait très moderne. Sur le fond, il était extrêmement grave. Et même, j'ai presque envie de dire... pas menaçant, mais en tout cas, il laissait présager des choses peut-être graves. Il est dans cette thématique qu'il a maintenant depuis quelques jours en disant on est comme dans les années 30 et donc attention à ce qui va se passer. Il dit est-ce que l'image qu'on envoie aujourd'hui, est-ce que ce sera l'image d'une paix durable ? Ou est-ce qu'au contraire, on dira, ben à ce moment-là, ce 11 novembre 2018, c'était le dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans le désordre. Il a parlé de terrorisme, il a parlé de cybercriminalité, de nationalisme, de racisme, d'antisémitisme. Et il a voulu, je crois, effectivement, montrer la portée de l'enjeu qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en ayant sur le fond, encore une fois, un ton extrêmement grave. Est-ce que, Gérard Vespierre, on peut faire un parallèle justement entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle ? Justement, oui, face à ces montées des nationalismes avec ces périls dont parle Emmanuel Macron ? Tous les parallèles sont possibles. Il y a deux grandes différences. Il y a une différence que j'appellerais technologique, militaire, et puis une différence de système. La technologie militaire, effectivement, c'est l'atome, on aura tout de suite compris. La présence de l'atome, la présence du nucléaire a changé radicalement la situation en Europe. Nous avons 70 ans sans guerre et normalement ça devrait continuer. Bon. Donc il y a là cette chose qui était absolument impensable au 18e, au 17e, au 16e siècle où on s'est affronté. Bon. Donc là, il y a eu un changement fondamental qui est l'arrivée de l'atome dans le militaire. Et deuxième changement fondamental, ce sont les alliances. L'Angleterre était isolée, l'Allemagne jouait son rôle, la France... Maintenant, nous sommes réunis autour d'un projet européen. Bon. Même s'il y a un grand frère américain qui nous accompagne d'un point de vue militaire et qui cimente un petit peu tout cela. Mais voilà, les grandes différences, c'est l'apparition d'une technologie nouvelle, militaire, et un système d'alliance. – Justement, c'est le projet européen qui est en arrière-pensée d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. – Je vous interromps un instant, on voit Antonio Guterres qui est en train de parler au Forum sur la paix. – Mais là, on va dire que c'est l'invité d'honneur, mais les deux orateurs principaux, c'est Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui sont les deux grands dirigeants européens. Et ce qu'ils ont en tête, c'est de la politique. Il ne faut pas non plus être naïf. Il pense aux élections européennes du mois de mai prochain, qui ne va pas opposer la gauche et la droite, mais qui va opposer les souverainistes, les nationalistes, ceux qui veulent moins d'Europe, et les partisans d'une Europe qui n'est plus ultralibérale, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron en début de semaine, mais qui sont pour l'Europe et pour la construction européenne, même si celle-ci doit être un peu modifiée et être plus proche des peuples, puisque c'est un peu le discours d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il ne faut pas oublier que dans tous les discours qu'il y a eu aujourd'hui, il y a certes beaucoup de beaux mots, de belles phrases, il y a du fond, il y a de l'ampleur, il y a de la vision, etc. Mais il y a aussi des arrière-pensées politiciennes pour les élections européennes de mai prochain. Oui, parce qu'on a vu même le début du discours d'Angela Merkel qui parle de l'inquiétude face à la montée des nationalismes. Elle reprend exactement le même mot, la même inquiétude qu'Emmanuel Macron face à ces nationalismes. Et les nationalismes en Europe, c'est Salvini, c'est Orban, voilà, c'est évidemment Marine Le Pen en France, l'AFD en Allemagne. Voilà, ce sont des adversaires politiques qui sont un peu stigmatisés au travers des commémorations de 14-18. Il y a une utilisation politique de ces commémorations qui sont faites par Emmanuel Macron et aujourd'hui par Angela Merkel. Pas tout le temps, pas que, mais aussi. Et en plus, on n'est pas certain que cette stratégie fonctionne. J'ai presque envie de dire, on est presque certain du contraire. Parce qu'en tout cas, dans les dernières élections au niveau européen, quand un chef d'État a dit, ou un Européen a dit, c'est moi ou le chaos, ben en général, les électeurs ont choisi ce que le chef d'État avait appelé le chaos. Ce que Daïk vient de signaler. Oui, mais là il est encore, pardon, hein, mais Emmanuel Macron est encore, là, il se positionne vraiment dans ce côté, même s'il ne l'a pas dit aujourd'hui, parce que ce n'était pas le lieu, mais moi, je représente Emmanuel Macron, moi Emmanuel Macron, je représente le progressisme et je me bats contre les nationalistes. C'est quand même, alors après, ça correspond à une réalité politique aujourd'hui en Europe. Il y a un danger quand même à prendre cette position parce qu'encore une fois, ça oblige les électeurs
à se positionner d'un côté ou de l'autre. Et parfois, les électeurs, quand on ne leur laisse pas le choix, eh ben, ils se mettent de l'autre côté. Ah, je pense que l'esprit qui a été donné il y a quelques minutes est très, très, très pertinent parce que, pardon François, parce que cela permet de dire, voilà, le nationalisme, chers Français, c'est pendant la guerre de 14-18, 1000 morts par jour. Bon. Donc il y a un prix au nationalisme, il y a un prix à payer, c'est les États qui s'affrontent directement entre eux. Donc là, c'est une façon de dire et une harmonisation entre le dirigeant français et le dirigeant allemand sur cette thématique-là est quand même très 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 importante. Sauf et que là, c'est il y a pas vraiment... vrai que les nationalismes européens défendus aujourd'hui, c'est 1000 morts par jour. On ne peut pas l'affirmer que la conséquence non. de Salvini, de Le Pen, ça serait 1000 morts par jour en Europe. Non, mais c'est pour ça que dans le parallèle que fait Emmanuel Macron, et je rejoins François, si on va au bout de la logique de ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Le Pen, Salvini, c'est 1000 morts par jour. Or, honnêtement... Je ne vais pas jusque-là. Non, je sais que vous n'allez pas jusque-là, mais si on suit la logique de Macron, c'est exactement ça. C'est-à-dire le danger du nationalisme. Voilà, le oui, c'est exagéré. Par rapport à la situation européenne actuelle. On évoquait une échelle tout à l'heure. Donc le premier bel, voilà, ça commence comme ça. Et on ne sait pas après quels sont les autres barreaux. Donc il est tout à fait intéressant de dire, chers Européens, il y a danger, attention. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette édition spéciale. Vous avez pu suivre en direct le lancement du Forum sur la paix, en direct de la Grande Halle de la Villette, et le discours de Donald Trump au cimetière américain de Suresnes. Merci François Baudonnet, merci Gérard Vespierre, et merci Daïk Audouy d'avoir été présent sur notre plateau. Tout de suite, restez sur France Info à suivre. On reste sur la politique étrangère, on parle de la Syrie avec le focus de France 24. À tout à l'heure. Merci de votre invitation.